Bonjour, bonsoir tout le monde. Canal pour la chaîne Bola TV News. Ce matin, nous entrons la caillou pour nous porter une nouvelle vidéo pour nous. Côté, nous allons parler du président Jovenel Moïse, comme nous connaissons déjà, à travers le journal en ligne Miami Herald. Côté, président contre-pied, rapport, deuxième rapport, plutôt calibré à côté, nous accusé parmi les gens qui est dilapidé l'argent plutôt calibré à côté, président. Jouignons accord avec OEA pour faire un audit sous dossier de Caribia pour être clair et net qui est-ce qui gaspille totalement l'argent de Caribia. Bob s'est réagi et Bob s'est battu bravo en partie pour déclaration président Jovenel Moïse fait dans le journal en ligne Miami Herald et visite président Taïwan sous dossier. Courant 24-24 là, bien espoir. De moi inviter nous pour nous suivre ensemble avec réaction Bob C à discours chef l'État sous courant 24-24 dans la rencontre avec le président Taïwan. Retez-vous chez OnTV News pour plus de commentaires, pour plus de vidéos. Quelques petits bagailles qui sont sous biscuit vidéo. Donc, c'est lancé à Miami Herald de fait qu'on est. Président Jovenel Moïse n'a pas eu de courant après, préparé le courant. Président a rencontré avec homologue et taïwanais. Président Jovenel Moïse défend tête sous accusation qu'a pesé l'eau sous dol dans la question fonds pétro-caribé. Hein, et surtout après, dernier rapport, la Cour des comptes. Là, et dans ce sens-là, il proposait un audit OEA. Juste et objectif en façon pour voir qui est président pays à Jovenel Moïse publié un texte garçon canson dans colonne mi amiérald dans texte là chef l'état a taclé la cour supérieure des comptes à contentieux administratif li annoncé dans ce sens que l'a travaille sérieusement avec organisation état américain OEA pour capable mettre campé une commission cap composé d'experts financiers en façon pour y réaliser un audit li juste et objectif dans ça qui a rapport avec disparition fonds pétro-caribéen. Chef l'état espérait que coupable fois ça coupable crime avec vol contre population haïtienne, il a puni correctement par la loi et par la justice. Et pour lui-même, dans l'environnement hyper partisan, dans le bon français, avec différentes factions, honnêteté avec justice, c'est des objectifs qui s'y distant. C'est pour ça, moi-même, je travaille avec OEA pour mettre en place une commission qui a pris la donne en pile expert financier international pour nous aborder l'incapacité pour nous délivrer un audit juste. Donc là, le président prend contre-pied des rapports, la Cour des comptes là. Et il parle d'un audit juste objectif. Ça a aidé les juges nous pour nous poursuivre avec toute rigueur possible, quel que soit le monde qui est responsable crime ou bien vol contre population haïtienne, non, parce que son l'argent qui était là pour te retirer dans sale malaza, d'après le chef de l'État pays, Jovenel Moïse, en même temps souligner que après une mise en place en commission, et d'après lui-même, c'est seule façon qu'a permettre système politique là pour le remontrer que le capable gouverner. Crise, corruption, pétro-caribéen, li affecté pays en sérieusement. Bravo, président Ouessa. Colère yo palpable et entièrement compréhensible. Bon côté pas moins prend radio ou bien prend média pour me répondre directement avec diverses allégations qui fait contre moi dans rapport sous fond pétro-caribéen avant me prend pour me capable te prendre chimé élection pour poste président ton fermier propriétaire l'exploitation banane et c'était un entrepreneur à succès dans non pays d'Haïti. Si parole chef l'État. En 2014, compagnie nan te gen un contrat pour rénover une route qui était en très mauvais état. Rapport a incorrectement et donc épinglé travail que moins te fait hein, côté on dit que nous pas de travail et pour l'argent, c'est fou. Et il dit comme quoi l'argent sont l'argent au vol. Et il dit c'est clairement faux. Agritrans li rénové 3 km route soit 85%
dans le total là, malgré paiement, yo joine nan son paiement 35%. Là, qui comme président fait un travail là, puis c'est tout fait la 85%. Et puis, c'est 35% de l'argent yo joine, 3 km route, on monte en total 15 millions de gouttes. Mais qu'il va dire combien yo balle la donne, est-ce que c'est que, pour combien le tape fait exactement, il y a quelques petits détails, Miami Real, pas bye. Moi inviter tout observateur qui est intéressé pour voyager aller même à Wewoutsa. C'est ça chef d'État pays en Jovenel Moïse et pendant souligner que lui aborder dossier ça dans diverses occasions déjà. Il espérait que haïtien yo apprend accusation ça pour ça c'est un instrument pour pousser plus loin cynisme politique avec intérêt financier un petit groupe moun qui passe tout le temps à abuser faiblesse système nan, depuis un bon bout de temps. Et donc, les mêmes parlent des mauvaises actions dans le cadre fonds Petro-Caribéa, son problème qu'il a depuis des décennies. Et donc, vrai justice, là, tout le monde toujours attend, d'après chef d'État, Jovenel Moïse, qui parlait avec Miami Herald. Donc, c'est pas seulement. Et où ça, et peine le président. Mais l'autre, bah, il parlait. Et donc, de l'autre compagnie, hein, oui, les questions de panneaux solaires, etc. Bien que nous débattions des détails sur question ça. En fait, sur l'autre compagnie, qui va sur, c'est comme s'il y a deux codes qui prennent, ou même route, ou même tronçon. Donc, ça, c'est un argument valable devant le tribunal. Donc, le président, il partage l'information avec Miami Herald, mais il est très, très bon. Mais devant le tribunal, ça t'a pris bon toujours. Donc, c'était pour qu'on ait que, espère ça, que le président Mandéan, est-ce qu'il a fait son dire Parlement, est-ce que la fait en commun accord avec le Parlement haïtien, donc tout ça aussi. C'est là. Donc, est-ce que l'espèce ça pour remplacer la Cour supérieure des comptes et contentieux administratifs, on l'autre point d'interrogation. Et quid des rencontres chef l'État avec homologue. Eh bien, visite officielle en Haïti, Jean Dédilan, président Jovenel Moïse, recevoir samedi une délégation taïwanaise qui vient en tête li, président taïwanais, chef d'État Canada Mli, premier ministre Jean-Michel Lapin, ministre Affaires étrangères, Bouchitekmo, diverses autorités, tal accueilli délégation taïwanaise qui visite Haïti pendant quelques temps. Visite qui répond à invitation, chef d'État haïtien, de faire homologue li dans le mois de mai 2018 pendant passage. Dans le pays Taïwan. Pendant la rencontre, ça, samedi, chef d'État a discuté sur le renforcement des relations amicales entre deux pays et puis investissement dans divers domaines, comme l'agriculture et l'énergie. Président Jovenel Moïse toujours misé sur Taïwan pour Haïti, bien courant 24 sur 24. Président républicain profite et adresse l'acte parlementaire pour ratifier un accord prêt qui était signé en Haïti et Taïwan dans le domaine énergie. Réussite pays Taïwan inspiré et doit inspirer toute nation pour sortir Haïti dans condition ça pour arriver à attirer investissement direct étranger. Déclaration président Jovenel Moïse qui rappelait pays Taïwan, c'est un modèle dans ça qui vient pour avec développement. En côté, dans le micro, Marc Gerson, félicite. Au moment où mon pays confronte des difficultés de toutes sortes, notamment dans le domaine du développement, Taïwan demeure un modèle par excellence. Des résultats durables pour une économie comme la nôtre en quête de croissance et de création massive d'emplois. Les ennemis de la croissance, c'est l'exclusion, la précarité et l'instabilité qu'elle engendre. La croissance économique est un objectif transcendant qui nous interpelle tous, haïtiens aussi bien que tous les secteurs et partenaires étrangers au développement. C'est pourquoi lors de ma visite dans votre pays, président Tsai, je préconise des investissements directs taïwanais dans l'économie haïtienne. Le projet de construction du réseau électrique du bassin de Port-au-Prince et des 51 autres communes est un exemple phare des possibilités d'investissement en Haïti. Je profite de cette occasion qui m'est offerte par votre visite pour exhorter solennellement mes chers compatriotes du pouvoir législatif de ratifier l'accord de prêt dont la mise en œuvre contribuera à doter Haïti de l'énergie électrique 24 heures sur 24. La matérialisation de cette première initiative servira d'exemple pour des investissements dans d'autres secteurs.
尤其这个第一个计划的成功将成为其他投资计划的一个典范。À un moment décisif où les considérations géopolitiques constituent un défi majeur dans nos deux régions. Haïti et Taïwan se trouvent à un carrefour stratégique où les intérêts nationaux de chaque partenaire nous enseignent de poursuivre nos aspirations fondamentales au bien-être. Dans cette optique gagnant-gagnant, force est de reconnaître que Taïwan dispose des expertises et des capacités dont Haïti a besoin pour surmonter la situation chronique du sous-développement économique. Tous les enjeux s'imposent pour favoriser cette nouvelle dynamique dans nos relations bilatérales. En effet, quoique séparés par deux océans, Haïti et Taïwan se doivent de renforcer leurs relations diplomatiques, surtout en matière économique. Le renforcement de cette coopération devra permettre de continuer à bâtir des projets et programmes stratégiques bien ciblés, notamment la construction d'infrastructures indispensables comme des prérequis pour l'atteinte des objectifs de développement durable que sont les routes, les aéroports et les ports, l'assainissement et l'eau potable, la mitigation contre les effets du réchauffement climatique et l'adaptation et l'augmentation de la résilience du peuple haïtien contre les dégâts considérables causés par les catastrophes naturelles. Telles sont les options que nous avions discutées en mai 2018 et que nous souhaitons matérialiser davantage. Certains de ces pays ont émergé de la guerre. D'autres ont connu des troubles politiques et sociaux avec de lourdes conséquences. Dans la seconde catégorie, on peut citer Taïwan, qui a consacré les énergies créatives et imaginatives de son peuple pour développer une économie florissante, alors que le pays manque de ressources naturelles. Les Taïwanais, malgré leurs différences politiques, ont su privilégier l'intérêt supérieur de leur nation. En effet, Taïwan a surmonté des problèmes économiques, politiques et sociaux pour enfin se hisser au rang des succès économiques incontestables du monde. La réussite de nos relations diplomatiques se trouve dans les résultats que nous obtenions dans notre partenariat économique. Madame la Présidente, en ce sens, nos deux pays inaugurent donc une nouvelle dynamique de coopération qui consiste à miser davantage sur les investissements directs taïwanais en Haïti, dont la position géographique fournit aux entrepreneurs taïwanais une porte d'entrée dans ce carrefour stratégique où transite plus de 40% du commerce international. Avant de finir avec déclaration président taïwanaise, non, nous souhaitons faire lecture des propositions chef d'État pays à Jovenel Moïse pour être capable de gagner sa délégation d'experts, c'est ça, et de OEA pour être capable de vérifier donc utilisation ou bien dépense soulevée l'agent Petro-Caribé, hein, mais gagner réaction tombée rapide, gain collectif 4 décembre qui au même fait connaître une note datée 14 juillet 2019, note pour la presse, nous prend acte des déclarations actuelles président pays à Jovenel Moïse fait dans journal Miami Herald dans date 10-12 juillet. Et il y a reporté par journal Les Nouvelistes reporté dans date 13-14 juillet 2019. Dans la déclaration, le président paysan Jovenel Moïse sollicité beaucoup de l'organisation État américain OEA pour t'avouer dans le pays noir une commission audite qui doit venir travailler sous dossier Petro-Caribéen. Côté livre, j'étais bien loin, rapport à la Cour des comptes à contentieux administratif. Nous dénoncer attitude chef d'État et nous voyons jeter catégorique ce que d'après eux-mêmes initiative ça collectif 4 décembre qui a parlé sont initiatives scandaleuses pour pays hein, que chef l'État ben dans sens ça déshonoré vilipendé dégradé et trahi
institution nou yo lèl vini avec une démarche comme ça. Appel li fait bon côté OEA yon l'autre fois en plus montrer que pays nou an, président pays nou an, Jovenel Moïse li pa nan dimension défi que nous gagnons pour nous capables de relever dans la société an, et li pa nan dimension tout comme chef l'État pour ta capable gérer crise pays an a plongé depuis un bon bout de temps. Li montre l'incapable l'el entre tête li non pareil démarche. Collectif 4 décembre li opposé le 4 catégoriquement avec démarche ça. Il mandait avec toute organisation sœur dans société civile là pour nous mettre toute bagaille en œuvre pour vivre nation pour nous faire un front commun pour nous handicaper, engloutir, cocober ou bien anéantir un pareil démarche, les qualifier comme on infamie pour société. Ça, c'est collectif 4 décembre qui parlait comme ça, qui dit halt à la honte. Donc, vive la dignité nationale, vive le procès Petro-Caribé, vive la transition fondatrice de la nation. Jean-Robert Argan, coordonnateur général, collectif 4 décembre. N'a pas tourné avec la visite délégation taïwanaise dans le pays d'Haïti qui vient de tête le président de la République Chine.